5e édition sommet international sur finances publiques et technologie appliquée a démarré journée lundi à l'hôtel Caribé sous initiative groupe croissance. Activité ça cap duré 5 jours doit permettre intervenants yo aborder plusieurs points importants pour économie et finance. Selon PDG groupe croissance là Kessner Farel, Mario papote cob dans caisse l'état. Yo problème qui était dans mitan réflexion yo pour premier journée forum nan qui était déroulé en baptême comment augmenter finance Mario. Kessner Farel, nan micro Vladimir Maurice Ridoré et Gaston Joseph. Comme nous connaissons, c'est 5 jours. Le premier jour, c'est la finance municipale. Nous avons commencé l'année dernière comme ça. Et nous récidivons. Et c'est ainsi que le ministère de l'Intérieur participait avec nous sur lui-même. Mais nous avons un gros débat qui fait là, particulièrement le sénateur privé avec M. Payen, qui se montre que l'État n'a pas existé vraiment, puisque c'est un entreprise, ou pas un chiffre d'affaires, comment payer un foyer. Donc si l'État n'a pas rentré comme à sa base, particulièrement au niveau des communes, il sera extrêmement difficile de rendre des services au plus bas niveau, c'est-à-dire la gestion de proximité. Donc moi, je crois que nous avons bien commencé aujourd'hui. Demain, c'est thème sommaire, c'est financer les exportations d'Haïti. C'est le ministère du Commerce qui est au même pour prendre journée ça pour être capable d'expliquer nous comment la situation d'exportation dans le pays d'Haïti est. Donc on chiffre là déjà, c'est moins que 1 milliard de dollars américains, pendant la importé plus que 3 milliards. Donc déficit ça a créé problème sous ça avec l'inflation, sous ça avec les taux de change et toutes qualités de problèmes qui existaient. Et mercredi, c'est pour les finances publiques, côté que le ministère des Finances lui-même pour le montrer le budget rectificatif que fait voter, passer de 122 à 109 milliards de gouttes. Mais ça qui est important, le besoin qu'on ait, qui s'accapite dans la cuisine dans le là, et surtout les partis politiques qui répondent à l'invitation. Là, parce qu'il faut qu'on ait à partir de février 2016, c'est pour un nouveau groupe qui va au pouvoir, mais avec ça que l'exécutif va quitter pour eux comme budget de la République. Jeudi, c'est pour la politique monétaire avec la Banque centrale, et nous allons parler avec les banques commerciales. Et la sommet, nous avons deux grandes invitations qui sont faites. La sous-secrétaire de l'énergie de l'Équateur, qui vient en Haïti, qui a expliqué nous comment était résolu le problème énergie la caillou. Le problème EDH vive qu'on y a là, qui a un impact sur les finances publiques, nous, près de 200 millions de dollars américains. Un fonds qu'on a utilisé pour faire des activités économiques avec elle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on a fini vendredi avec les assurances. Et nous avons besoin de connaître ce que le projet de loi d'assurance a préparé pour le prochain Parlement qui va venir. Et l'après-midi, on a fait la banque mobile et la monnaie électronique. Voilà 5 jours d'activité.